Depuis que leurs chemins se sont croisés, Laetitia Hallyday et Jalil Esper semblent filer le parfait amour. Les deux tourtereaux se sont trouvés, sont plus heureux que jamais et n'hésitent pas à afficher leur bonheur sur les réseaux sociaux. Au début du mois de février, Jalil Esper avait montré qu'il se trouvait sur l'île de Saint-Barthélemy tout seul. Entre balades en bateau, virées sportives, dégustation de plats locaux, découverte de la flore et de la faune. Visiblement, il a su profiter de tout ce que cette île des Caraïbes avait à lui offrir. Et sa solitude ne fut que de courte durée, puisque l'acteur a eu le bonheur d'être rejoint par sa chère et tendre. Ce vendredi 5 février, là. Jolie blonde de 45 ans a montré dans sa story Instagram son arrivée à Saint-Barth. Mieux encore, Laetitia Hallyday a partagé plusieurs vidéos filmées par quelqu'un d'autre, où on la voit sortir de l'aéroport pour se jeter dans les bras de Jalil Esper. Le comédien de 44 ans l'enlace, tous les deux se font de langoureux baisers et s'échangent quelques mots, le sourire aux lèvres. Ces émouvantes trouvailles, Laetitia Hallyday les a partagées dans trois vidéos, avec la musique Here Comes the Sun, des Beatles. À son tour, Jalil Esper a repartagé les vidéos dans sa propre story. Laetitia Hallyday à Saint-Barth avec ses filles et son chéri et ce n'est pas tout. Laetitia Hallyday a partagé d'autres photos et vidéos de son arrivée à Saint-Barth. Elle a immortalisé un sublime paysage paradisiaque, avec une terrasse où l'on peut voir des fauteuils et des canapés d'extérieur, idéal pour profiter de la vue et du soleil. Dans un second cliché, elle a partagé une photo d'elle que son chéri Jalil Esper a prise, la mère de famille sourit, lunettes de soleil sur le nez, chapeau sur la tête et vêtue d'une robe violette. L'occasion pour la veuve du taulier de montrer ses nouvelles extensions et sa nouvelle coupe de cheveux. Bien évidemment, ses filles Jade et Joe y ont voyagé avec elle, et nul doute que tous ensemble s'apprêtent à passer un inoubliable séjour.